Je teste la combinaison d'un abonné, épisode 119. Et on va commencer avec la première combinaison qui m'était proposée par Suyu, donc merci à toi. Et on va se prendre Mario avec le Mach Seller, l'E-Roller et les Liliennes. Donc je laisse regarder les stats, c'est relativement équilibré. Voilà, l'accélération est un peu moyenne, la maniabilité aussi. Il manque un peu d'adhérence et par contre il y a une bonne vitesse. Donc voilà, honnêtement je pense que là par contre la combinaison va être un petit peu moyenne, mais je pense que ça devrait passer en même temps. Voilà, je sais pas trop. Écoutez, on verra. Mais donc voilà, donc comme d'hab, on va se faire trois courses et on va tester ça. Let's go. On commence avec le circuit du Rule. Donc voilà cette combinaison Mario, Mach Seller et Roller. Voilà. Donc ça, normalement, ça devrait vraiment être bon. Ah, c'était une verte. Je croyais que c'était une carapace rouge que j'avais. Bah, pas du tout. Ok, nice. J'avais peur de pas avoir d'item à cause du Yoshi là. En fait c'est bon. Let's go. Il y en a un, il s'est coincé vers là où il y a l'épée. Magnifique. Juste peut-être pas me prendre les boules de feu. Enfin mes propres boules de feu en retour quoi. Ce serait quand même pas mal. Bien tenté, mais non. Ah, tu vas pas m'avoir aussi facilement. Non, non, non. Ok, nice. J'ai eu personne. Non. Ok. Ça, je balance devant. Et vous avez vu le boomerang, ce qu'il a fait? J'ai vu trop tard que ça allait s'ouvrir. Et vous avez vu le boomerang? Oh, il est parti dans un autre monde. Non, mais je vous jure. Eh, par contre, pourquoi il dérape pas? La blague. Alors moi, le boomerang, il est parti en plein dans les cieux. Je comprends pas pourquoi. C'est totalement abusé. Vraiment, hein. Là, voilà, au lieu de rester au sol... Non, 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 non. Il est vraiment parti. Bon, bref. Le Digong, je l'ai eu là ou pas? Je crois pas. Hein. Ok. Vas-y, passe devant, merci. Écoutez, je vais balancer ça. On va prendre un double. Ça me fait perdre un peu de temps, mais c'est pas très grave, je pense. Oh là là, oh là là, cette fin de course incroyable. C'était une perte de temps, mais au final, c'était pour la bonne cause, vraiment. Oh là là, au moins j'ai eu mes deux champis, j'ai pu couper un peu dans l'herbe. Bon, je me suis fail parce que j'ai foncé dans le mur. J'ai foncé dans le mur et puis ça m'a cogné et tout. J'ai complètement perdu le contrôle, mais ça a valu le coup. Donc franchement, c'était un move de génie. Hein. Vous pouvez pas me dire le contraire. On enchaîne avec le désert Calimari. Why not? Franchement, pourquoi pas? C'est vrai que celui-là, je le fais pas souvent non plus. Et c'est un circuit qui fait un peu plaisir quand même. Parce qu'il est bien refait. Dégage de là. Je suis désolé. Ah, vraiment, c'était totalement gratuit. Et encore une fois, j'en ai rien à faire. Vraiment. Let's go. Attendez, je vais attendre qu'il passe un peu. Voilà. Ok, 4 champis, why not? Ok, let's go. Ouais, bon. Heureusement que je n'ai pas utilisé mon champi. Voilà, comme ça, j'en perds qu'un seul. Je vais passer là, très clairement. Sérieux? Ah bah d'accord, il n'y a pas de souci, hein. Ouais. J'allais dire, bah je vais garder mes 3 champis. Pour reprendre le raccourci bah, que j'ai pris. Et j'ai vraiment bien fait. Et franchement la combinaison est cool hein. Vraiment la combinaison est cool. Elle est bonne. Et elle est stylée. Vraiment Mario là dessus il a du flow. Je vous jure. Ok, let's go. Alors ça c'est vraiment honteux par contre hein. Oh là là, je me fais voler mon champi juste avant. C'est vraiment une blague.
Bon. C'est bon. Ça me pénalise pas au point de perdre ma première place. Mais franchement, oh, c'était très relou. Franchement, le bout qui arrive pile à, juste avant que la carapace bleue me tape, ça c'est... non. Franchement, la malchance que j'ai eue pour ce truc-là, ça a abusé. Hein. Mais écoutez, franchement, ça va. Je m'en suis quand même très bien sorti. Donc ouais. Écoutez, on a encore une course à faire et puis on va bien voir. Et on va terminer cette combinaison avec le manoir trempé. Voilà. Why not? Voir... enfin, jouer Mario dans un niveau fantôme. Sachant que les trucs de fantôme, les trucs de boue et tout, il se fait toujours capturer dedans. Ouais, évidemment, je fais référence au Luigi's Mansion. Et bah, c'est assez ironique, hein, vraiment. Et c'est assez stylé, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais ouais, vraiment, jouer Mario dans un truc fantôme comme ça. Oh là là, et j'ai failli l'avoir. Hein. À peine plus et je l'avais. Hein. Mais ok. Aïe. Faut arrêter de me voler mes champignons comme ça là. Vraiment hein. Évidemment. Bon, j'ai de la chance, lui il m'a pas eu. Mais ouais. Let's go. Maman, bah, t'es tellement bien calé. Et j'étais obligé de me la prendre, évidemment. Eh ouais. Let's go. Non, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, sérieux. Ok. Ok, ça va. Franchement, ça va, ouais. Eh non, mais arrêtez. Eh, je me fais voir. Je vous jure, je me fais voler tous mes champignons, c'est abusé. C'est quoi la troisième bombe que je me prends là dans cette course, non? À peu près, hein. Parce que bon, il y a un moment, j'arrête de compter, quoi. Mais ouais. Je me suis pris beaucoup de trucs, et là, je suis quand même au max de pièces. C'est assez dingue, hein. Eh, par contre, je suis huitième, et... Là, ça va pas, hein. Ok. Il y a eu beaucoup de bombes hein, quand même. Ok. Bon, c'est bon. Là, je suis un peu plus safe. Aïe. Ok, wow, quatrième, ça va, vraiment ça va. Ok, franchement, cette course, c'était le bordel. Il s'est passé trop de trucs partout. Et ouais, je me suis fait voler mes deux champignons à la fin, en plus. À chaque fois, c'est à la fin du circuit. Et puis là, à la fin, un éclair qui m'empêche de prendre le raccourci, donc super, bon. Écoutez, ça va, franchement, la combinaison est quand même bonne. Et je m'en suis pas si mal sorti que ça, je trouve. Donc ouais, je valide. Et on va continuer avec la deuxième combinaison qui m'était proposée par Florian Bontemps. Donc merci à toi. Et on va se prendre Roy avec le scooter AC, les rollers azur et l'aile nuage. Donc je laisse regarder les stats. La combinaison est pas très lourde hein, malgré qu'on joue Roy. Il y a une très bonne accélération, la maniabilité est bonne aussi, la vitesse ça va aussi et l'adhérence est moyenne. Donc écoutez, je pense que ça devrait vraiment bien le faire. Mais écoutez, voilà, donc comme d'hab, on va se faire trois courses et on va tester ça. Let's go. On enchaîne avec les ruines Piranha. Et puis cette combinaison, donc Roy, scooter AC et roller azur. Là aujourd'hui c'est une combinaison. C'est un épisode de roller. Vraiment, parce qu'il n'y a que des rollers partout. Ok, bon, ça je le prends mal, hein, je sais, mais c'est quand même un peu rentable. Let's go. Le Luigi, il a rien compris à sa vie, le pauvre. Ok, let's go. J'hésitais à lâcher une banane, mais en fait non. Je ne vais rien lâcher du tout. Ok, et puis là. Ouais, mais je pouvais pas. Je suis obligé de faire un trick pour passer au-dessus. Parce que là, avec un dérapage, ça passait pas. Ou alors, je l'ai vraiment très mal fait. Je sais pas. Dans tous les cas, là, je ne pouvais pas passer au-dessus, au-dessus du hors-piste dans l'eau. Not possible. Let's go. C'est une blague. Pourquoi il a
lancé. Je peux aller au-dessus? Ouais. Ouais, ok, bon, aller au-dessus, ça sert vraiment à rien du tout. Alors par contre là, c'est mieux de faire ça et récupérer un item, je pense. Très clairement. Ok, hey. Magnifique, ça va, là j'ai géré cette section. D'habitude, je me fais le tout le temps. C'est vraiment une blague. Et en plus, il me donne quoi? Il me donne une pièce. Non, mais s'il vous plaît. Ça va. Comment je me suis pas fait toucher là? C'est totalement abusé. Vraiment. Je sais pas comment le coquillage n'a pas fait pour me bouffer. Hein. Très clairement, j'en ai juste aucune idée. Ok. Ouais, deuxième place, ça serait pas mal. Ok, ouais, deuxième, let's go. La carapace, d'ailleurs, je voulais l'envoyer en arrière, pas en avant. Hein. C'est pas grave, je suis quand même deuxième, j'ai quand même... pas mal remonté, je me suis fait rect à cause d'une rouge là. Donc ça va, j'ai quand même pas mal géré ma course du tout. Et puis la combinaison, franchement ça va. En tout cas là dans l'eau, ça allait. Donc ouais, à voir par la suite. Ok, on continue avec le pays neigeux. Magnifique, ça fait plaisir. Et j'annonce une première place là dessus C'est obligé. Ok. Why not. C'est cool, je vais pas prendre le cut là. Là, tout de suite, je vais pas le prendre. C'est exactement ce que je voulais. Hein. Très clairement. Ok, je pensais pas qu'il allait tourner autant le pingouin, en fait. Voilà. C'est pour ça que je me le suis pris. C'est normal, si je suis dernier et que j'utilise pas mes items, c'est tout à fait normal. 4 champis sur ce circuit. Hey! Ça veut dire que je peux prendre 2 raccourcis sur les 2 derniers tours. Donc là, déjà, le premier. Magnifique. Donc là, ça me fait rattraper un peu. Oh, la blague. Il abuse. Vraiment, le pingouin, il abuse. Ok. Ouais, par contre, elle qu'elle enlève ses carapaces de là. Merci. J'espère juste qu'il n'y aura pas d'éclair. Ok. Why not, hein, après. Ok, let's go. Ok, magnifique. J'ai quand même réussi à le prendre, donc ça va. Écoutez, je vais utiliser là quand même mon champi. Oh, j'aurais peut-être pas dû. Bah oui, j'aurais pas dû. Je suis bête. Mais il est pas sérieux lui, mais. J'ai la haine. J'aurais vraiment pas dû. Hein. Oh, j'aurais vraiment pas dû utiliser mon champi. C'est une énorme erreur. Parce que là, si j'avais gardé mon champi, j'aurais pris le raccourci de fin, en fait. Et j'aurais terminé, je pense, au moins dans le top 3. Peut-être pas premier, je sais pas. Mais en tout cas, dans le top 3. Mais là, le truc, c'est que j'ai utilisé pour enchaîner un autre item. Sauf que on m'a pas du tout donné de champi, en fait. Donc, ouais, vraiment, ça a servi à rien. Oh, je suis dégoûté, là. Et on termine cette combinaison avec Singapour. Let's go. Là, la poursuite à Singapour. Tellement incroyable. Et puis voilà. Quoi de nounours roller hein, juste devant. Hein, genre ça étonne quelqu'un. Cette musique est incroyable. Merci de me laisser un item hein, quand même. Peut-être pas abuser. Ok. Je vais prendre large. Récupérer des pièces. D'accord. Ok, magnifique. Nice. Écoutez, encore 4 champis, ça fait plaisir, ouais. Ok. Magnifique. Et re 3 champis. Let's go. Allez, je vais utiliser un ici.
C'est vraiment une grosse blague. Voilà, dégage. Parce qu'elle me... Hey, elle m'a volé mon item là. C'est pas... Ça va pas, hein. Ça va vraiment pas. J'ai failli me la prendre là. La banane là que j'ai lancée, hein. Ça a abusé. Alors j'espère juste que... Il n'y aura rien de relou qui va arriver. Parce que sinon, bah ouais, ça va être relou. Et toi, dégage. Je vais pas niaiser avec ces carapaces là. Ah là. Ok, let's go. J'aimerais bien rattraper un peu le premier quand même. Ok, let's go. Je vais balancer ça. Je prends un peu de risque, hein, mais... c'est pas grave. Ouais, pour être premier, ça va être chaud, hein, à mon avis. Ça va être vraiment chaud. Ah, j'aurais peut-être pu tenter un snipe si la route était pas comme ça, honnêtement. Parce que là, en fait, du coup, le premier, je le voyais pas et je pensais qu'il était quand même bien plus loin. Du coup, non, mais bon, écoute, c'est pas grave. Je suis quand même deuxième, donc c'est très bien. Et puis, écoutez, voilà, la combinaison, comme je vous ai dit, franchement, elle est vraiment bonne. Voilà, je sais plus si je l'ai dit d'ailleurs, je n'en sais rien. Mais ouais, franchement, elle est quand même bien bonne, donc ouais, ça passe. Et on va terminer avec la troisième combinaison qui m'était proposée par Firlinan, donc merci à toi. Et on va se prendre Funky Kong avec le Beat Bolide, les rollers et le Bowser volant. Donc je vous laisse regarder les stats là, la combinaison est vraiment lourde, même si on a les rollers, ça reste lourd. L'accélération est très moyenne, il y a une grosse vitesse évidemment. L'adhérence c'est moyen, mais ça passe. Et par contre, il n'y a pas une très bonne maniabilité. Donc voilà, écoutez, je pense que là on va douiller, hein, un petit peu quand même. Mais écoutez, voilà, donc comme d'hab, hein, on se fait 3 courses et on teste ça. Let's go. Et on va terminer avec la dernière combinaison, Funky Kong, Beat Bolide et Roller. Et ça, c'est le premier perso de la 6ème vague d'ailleurs à passer maintenant dans cette série. Voilà. Je ne compterai pas, enfin je compte pas les épisodes bonus, hein. Là il y a des Funky Kong, Diddy Kong, Pauline et Pichette qui sont prévus pour les épisodes bonus. Mais là je compte pas les épisodes bonus, je compte que les épisodes, ceux-là en fait. Voilà, entre guillemets les vrais épisodes. Oh là là, c'était mauvais ça. Ok, bon. C'est vraiment une blague. Et je vais faire ça. Voilà. Alors voilà la combinaison. En tout cas au niveau des stats, a l'air vraiment pas si ouf que ça, de ce dont je m'en souviens. Mais ouais, franchement, c'est un peu compliqué là, je vous avoue. Écoutez, je vais balancer ça. On va balancer ça là-bas. Ah oui, oh le snipe. Let's go. Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu se faire avoir. Eh ouais. C'est comme ça qu'on fait. Mario Tanuki, je suis désolé, mais tu dégages. Voilà. Ok, on va faire ça. Histoire de couper un peu. Franchement, la combinaison est dure. On dirait peut-être pas comme ça, mais franchement, elle est compliquée. Alors, là, je m'en sors quand même assez bien. Tant mieux, hein, d'ailleurs. Mais ouais, je vous assure qu'elle est... Elle a quand même sa difficulté, hein. Écoutez, je vais balancer une. Ok, attendez, je vais attendre qu'il... Voilà, je vais attendre qu'il s'envole. Ah, je suis une enflure, hein. Je suis une enflure. Parce que là, vu qu'on est quand même haut, ça va bien la ralentir. Genre vraiment après le planeur, quoi. Et moi je peux récupérer ma première place. Et en plus j'avais des items de deuxième place. Enfin j'ai eu des items de deuxième place. Donc ouais, deux protections et deux carapaces rouges au cas où on me redouble. Donc ouais, bon après il a fini deuxième le mec que j'ai rect. Donc franchement ça va, hein. Il est pas trop à plaindre non plus. Mais écoutez voilà, la combinaison est dure, hein, comme je vous ai dit. Et je voulais pas mettre ça. Je voulais mettre le circuit à Madrid là. Et bon, j'espère vraiment que c'est pas le mien qui va être choisi. Vraiment je voulais mettre Madrid en fait. Mais ouais, franchement la combinaison est dure. On va voir pour les prochaines courses. On enchaîne avec le pays fromage. Ça va, c'est pas le mien qui a été choisi. Donc j'ai pas à être dégoûté, hein, très clairement.
Donc ouais, ça va. Ok, par contre, les carapaces, on se détend, please. J'ai eu qu'un seul item. Ouais. C'est pas grave. On va faire avec, de toute façon, pas trop le choix, hein. Ok, nice. Ok, nice. Super. Why? Je sais plus exactement comment est l'adhérence là sur cette combi. Mais en tout cas, ici, waouh. Franchement, j'ai du mal. Hein. Sur un des derniers tournants, j'ai vraiment du mal. Donc, c'est pas terrible. Ouais. Ok, vas-y, y a pas de souci. Voilà, magnifique. Comme ça, je reprends un item et une protection. Donc, c'est cool. Ok. J'ai eu chaud. Il m'a pas fait de trick. Je vous avoue qu'il m'a fait peur. En fait, c'est ici que j'ai eu du mal. Ok, mais il faut pas que je fasse de trick sur la crevasse. En fait, c'est juste ça. Faut vraiment pas que je fasse de trick. Sinon, ouais, sinon ça va être trop compliqué. Mais écoutez, je suis toujours premier. J'ai un petit peu d'avance quand même. Ah, la blague. Il a pas voulu faire de trick. Attendez, j'utilise ça. Comme ça, ouais, au cas où on me balance une rouge directe. Bah, du coup, j'ai quand même ma protection. Et je prends pas de risque. Et puis, c'est aussi parce que le Yoshi me collait. Donc, s'il me collait un peu trop, et bah, il allait se prendre ma badane, hein, très clairement. Ok, let's go. Oh là là, j'ai eu chaud. Ah, franchement, j'ai vraiment eu chaud et je suis plutôt content. Là, j'ai fait une super bonne course alors que l'adhérence était vraiment pas terrible ici. Déjà que la maniabilité est pas ouf, mais en plus l'adhérence sur ce circuit là, parce que ça glisse, parce que c'est du sable bizarre. Franchement, ouais, c'était un peu compliqué, ouais. Mais écoutez, ça va, je m'en suis très bien sorti, j'ai resté premier toute la course. Moi, ça me va. On va terminer avec le circuit Daisy. Voilà, on spoil le meilleur circuit. En temps normal, j'aurais choisi passage feuillage, hein, très clairement. Mais voilà, c'est bon. Un circuit des I, c'est encore un peu nouveau, ça vient de sortir. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Mais ouais, je pense qu'en temps normal, j'aurais choisi passage feuillage, hein, très clairement. Passage feuillage étant un des meilleurs circuits du jeu. Voilà. Hein, donc ouais, très clairement. Ça aurait été mon premier choix. Let's go. Ça a dû piquer, hein. Et en plus, j'ai re-eu une carapace rouge. Let's go. Non, il a un champi derrière, donc ça va. Non. Carapace bleue. Vas-y, ramène-toi. Magnifique. C'est dommage, j'ai pas pu enchaîner avec l'item. J'aurais dû freiner, en vrai. J'aurais dû freiner un peu. Comme ça, la carapace bleue, je l'aurais esquivé. D'accord, ouais, ok. Why not? Les carapaces rouges, elles font souvent ça online. Hein. Me demandez pas pourquoi, ça m'arrive souvent, je sais pas. Mais ouais, en vrai, j'aurais dû freiner pour esquiver la carapace bleue plus tôt. Et j'aurais pu enchaîner avec un autre item. Voilà, j'aurais pu faire ça. Mais bon, écoutez. C'est pas grave, hein, d'accord. Ok, magnifique. Mais l'avance que j'ai. Regardez la minimap, s'il vous plaît. Eh, l'avance que j'ai, c'est incroyable. Hein. Eh, tu m'étonnes, les mecs juste derrière moi, ils ont des canons et tout. Parce que je suis tellement loin devant eux, c'est abusé. Hein. Mais écoutez, voilà.
Ouais. Là, j'ai rien à dire sur cette course. C'est rien passé de particulier. Si, une esquive de carapace bleue. Voilà. Mais sinon, franchement, c'est tout. Hein. Vraiment, en soi, il n'y a eu que ça. Donc, bah, écoutez, voilà. Mais ouais, en vrai, la combinaison est quand même assez compliquée. Mais je m'en suis vraiment, vraiment très bien sorti. Là, je suis même très étonné de moi. Mais ouais, je m'en suis très bien sorti. Donc, ouais, bah, écoutez, moi, je suis content. Mais écoutez, voilà, c'est ce qui va conclure cet épisode. Donc, comme d'hab, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma prestation. Et puis, des combinaisons qu'on a faites. Comme d'hab, également, continuez à me proposer vos combinaisons pour les épisodes bonus qui arrivent très vite. Et puis écoutez, voilà, c'est ça qui est ça. Mais du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager, ça me fera vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos, c'est très important. Et du coup, voilà, donc sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao.